le chant ici dans, dans les célébrations eucharistiques sont vraiment d'une importance capitale. Elles élèvent l'âme à Dieu. Elles permettent aux priants de se tourner vers Dieu d'une manière toute spéciale. Puis une affaire que j'ai remarquée, alors je faisais une petite recherche, et ce qui était intéressant, c'est que la musique, le chant, se situe dans le catéchisme de l'Église, dans la partie sacramentelle, c'est-à-dire que le chant contribue à montrer Dieu. Contribue à montrer Dieu. Et ça, c'est fort, parce que c'est pas juste aligner des paroles en soi ou faire de la musique comme si on serait n'importe où. Non. Ce n'est pas que de la recherche de l'émotion. Effectivement. Ce n'est pas que de la recherche de l'émotion, ni de la recherche d'un feeling, peu importe. Alors, j'avais trouvé quelque chose de très intéressant de Benoît XVI qui disait... se trouve ici exprimée la conscience d'aimer, de chanter dans la prière communautaire en présence de toute la cour céleste et donc d'être soumis à la mesure suprême, prier et chanter pour s'unir à la musique des anges. Oui, le Seigneur a besoin de nous, on est un instrument, mais le chant, c'est quelque chose que l'on reçoit. On le perçoit, on le prie et on le redonne. Donc, une chorale, c'est bien, c'est des individus ensemble qui se sont mis d'accord pour chanter une chose identique ou à quatre voix, mais c'est aussi des personnes qui se mettent au service. Tu veux dire que, tout comme les écrivains sacrés qui sont inspirés, les compositeurs, les musiciens, les choristes sont inspirés par Dieu. Alors, les musiciens et les compositeurs sont inspirés par Dieu, et j'oserais dire dans la mesure où eux aussi s'ouvrent à sa présence. Souvent on verra, en tout cas nous on essaye le plus possible hein, de prier quand on va faire une animation par exemple, quand on a quelque chose à préparer. Tous les jeudis on a la chorale et avant chaque chorale on va prier, on va offrir, non pas parce qu'on va composer un chant, mais c'est ça, ceux qui écrivent ou ceux qui chantent, c'est une disposition du cœur qu'on est invité à avoir. Donc oui, on est inspiré, mais encore faut-il que ce soit par Dieu. Donc il y a une écoute de sa présence qui est nécessaire avant et pendant et après. C'est inné, c'est une recherche personnelle. On est guidé pour ça ? Je pense qu'il existe différentes façons. Il y a des personnes qui ont, je dirais, un charisme particulier pour la composition. Des personnes qui vont avoir des talents qui mettent au service généreusement à Dieu et à l'Église, et donc qui permettent à l'Esprit Saint de passer plus facilement. Ça, c'est un grand cadeau, hein. C'est une richesse pour l'Église, ce genre de personnes-là qui choisissent de mettre leur talent au service de Dieu. Il ne faut pas prendre ça comme un dû. Yeah.
Et puis, je dirais aussi qu'il y a des circonstances qui vont favoriser aussi cette écoute de Dieu. Donc, de prier avant un temps de prière, avant un temps de chorale, de prier pendant aussi, pendant ce temps-là. Il n'y a pas de recette miracle, hein, je ne pense pas, mais voilà, c'est une disposition du cœur. Pour mettre tout son entrain dans sa voix, c'est déjà quand tu penses que c'est pour lui que tu viens, ce n'est pas pour toi. Tu n'es plus dans cette ambiance maintenant, c'est le Seigneur. Et tu as l'impression que ça vient du profond de toi. Ça peut arriver qu'à la répétition, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Mais par exemple, le moment qu'il fallait chanter, c'est elle vient du profond. Donc là, tu sens que le Seigneur est avec toi. Et souvent, quand on arrive, on a un peu la voix patraque, et tu demandes, Seigneur, tu es là, aide-moi. Ben, automatiquement, tu sens que ta voix revient et ça vient tout seul. Tu n'as pas besoin de faire autre chose que de chanter sans penser à faire la belle, par exemple. Non, ça vient tout seul. Ta voix sort comme une rossignole, quoi. Vous sentez quand l'Esprit Saint est là? Souvent, oui. Comment je peux dire? En toi, c'est une chaleur des fois qui vient en toi. Mais là, la voix, ça sort tout seul. Nous sommes dans deux chorales. Il y a Philippine et Stéphane. Ce sont les mêmes personnes qui chantent. Donc on ne peut pas dire qu'on choisit. Quand il faut aider, c'est pour le Seigneur. Donc les deux chorales que je fais partie, c'est pour le Seigneur. On ne peut pas dire je chante pour Stéphane ou je chante pour parce que Philippine est meilleure ou non. On est là pour le Seigneur. C'est ça, c'est pas une question de personne, c'est une question de service. C'est une question, voilà. Le service vient avant les considérations. Comme de on personnes. Dit, comme moi, je, c'est ma façon de voir. Mm-hmm. On va bientôt aller vers lui. Donc, autant donner ce qu'on a sur cette terre déjà. Ma foi, si on arrive quelque, je ne vais pas pouvoir rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Néanmoins, pendant que je suis sur la terre, je donne de tout mon cœur. Je lisais dans le catéchisme encore, là, au numéro 1158, puis on parlait de la richesse culturelle. L'harmonie des signes est ici d'autant plus expressive et féconde qu'elle s'exprime dans la richesse culturelle propre au peuple de Dieu qui célèbre. Ce serait dur de vouloir cadrer les choses. Hein, on dit souvent chez nous comparaison égale poison. mais le catéchisme poursuit en disant que le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que dans les exercices pieux et sacrés, la voix des fidèles puisse se faire entendre, conformément aux normes de l'Église. Donc c'est quand même toujours cet équilibre-là entre la vie qui est là, la joie de chanter, la joie de célébrer, qui est bonne et qui est une richesse en Polynésie. Et en même temps, de faire que tout soit favorisé aussi pour que cette joie s'enracine en Dieu. Oh, dear, I'm a boy.
musique, hein, écouter, comme d'écouter le moment qui se passe, écouter la prière qui est en train de se vivre pour y répondre de manière adéquate, pour y répondre avec un cœur qui se tourne vers Dieu. Pour ne pas que la musique soit quelque chose qui se tourne vers soi, vers son feeling, vers son émotion, vers son appréhension du moment, peu importe. Il faut que la prière se tourne vers Dieu. Et parfois, l'intériorité sera plus difficile parce qu'elle va nous tourner vers Dieu. Et l'inverse aussi, parfois. Donc, c'est comme toujours de chercher ce qui va faire qu'on va se tourner vers Dieu plutôt que vers sa propre satisfaction. Satisfaction parfois du moment. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais rencontrer Dieu là-dedans? Il y a des moments de fête dans l'Eucharistie. On se verrait mal chanter un Gloria recto tono, ou du moins, pas en Polynésie là. Mais il y a des respirations. Et on respire dans la célébration. Il y a tout un mouvement et le chant accompagne ce mouvement-là. Je trouve beau l'idée du service à travers ça, parce que justement, le chant est au service du célébrant. Il est au service de Dieu qui vient se faire présent. Ce serait dommage que le chant prenne la première place. Même s'il est très beau, ça n'enlève rien. Mais ce serait pas sa place. Les chants sur la liturgie, tu peux toucher les cœurs. C'est par là que tu peux. Et par la voix aussi. Parce que si on chante comme on chante, et d'ailleurs, quand tu vas dans les bringues aussi, il y en a qui ont une belle voix. Tu sais, c'est le Seigneur qui nous a donné ça. Hein. Je ne crois pas que tu as eu ça comme ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut travailler la voix pour que ça soit plus harmonieuse. On peut faire des chants très dynamiques, mais qui ont un poids. Qui ont un poids d'intériorité. Qui ont un poids de rencontre avec Dieu. Je dirais des chants, on pourrait en entendre n'importe où. Hein. On allume la radio, on entend des chants. On est en ville, c'est bruyant. Il y a toute une agitation, il y a toute une vie, il y a tout un... Qu'est-ce qui ferait alors que les chants que j'entends à l'Eucharistie soient différents? Qu'est-ce qui ferait? Et le pape François parlait à un moment donné de la mondanité. Hein, il parlait que l'Église ne soit pas une ONG. Bon, il parlait ça plus pour des œuvres caritatives. Mais je pense qu'on peut faire aussi le parallèle concernant l'intention du chant. Que nos chants, que le Seigneur nous préserve, mais que nos chants n'entrent pas dans cette mondanité-là. De faire un chant pour qu'il soit parfait, ce serait terrible. Un chant chrétien n'est pas fait pour être parfait. Il est fait pour être beau. Mais il n'est pas fait pour être parfait. Il ne répond pas à des critères de... Non. Un chant chrétien, c'est une prière. C'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence entre les chants que je vais entendre à différents endroits et ma prière qui est chantée. Le chant, c'est une prière chantée. C'est une mélodie que je mets sur des mots que j'adresse à Dieu. Et ce n'est pas l'inverse, une mélodie que je... Enfin, ça va dépendre. Bon, il y a des compositeurs qui vont le faire comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais l'intention est différente. L'intention, c'est la prière, la relation à Dieu.
la manière dont nous on vit l'Eucharistie au niveau de cette fameuse respiration de la messe, le chant d'entrée est un chant festif, hein, un chant festif quand c'est des solennités. Quand c'est plus en semaine, ce sera plus des chants à l'Esprit Saint, plus ou moins rythmés. En temps de fête, le chant d'entrée, c'est un chant solennel. On entre dans la messe, on se prépare à rencontrer Dieu. Le Kyrie, lui, va varier. C'est un temps quand même de pénitence, même si on célèbre la miséricorde. Hein, il y a la célébration de la miséricorde et il y a le miséricordier qui tourne sa faiblesse vers Dieu. Donc, il y a cet aspect aussi un peu doux que nous, on garde. Voilà. Le Gloria. Un Gloria, c'est le chant des anges. Alors, on y met toute notre joie, tout notre cœur. L'acclamation aussi. Hein. L'Alléluia, c'est... Voilà. Et ensuite, alors... les prières universelles, le Sanctus, tout ça c'est des chants, donc à partir du chant d'entrée jusqu'au Sanctus, en général, ça reste des chants soutenus, je dirais. À partir du Sanctus, voilà, là, on descend d'une coche. Hein, l'homélie nous a préparé, on a entendu la parole, avant le Sanctus évidemment, mais ça fait son chemin. Et après le Sanctus vient la consécration, anamnèse, doxologie. Donc la solennité, il y a quelque chose de fort qui est en train de se vivre. Alors ici, moi, j'ai trouvé, c'est beau de voir comment est-ce qu'on souligne, hein, avec la couronne de fleurs qui arrive. Donc ça, c'est au niveau visuel, hein, c'est majestueux. C'est et si notre chant ressemblait à une couronne de fleurs à partir de là, si notre chant était cette couronne de fleurs qu'on apportait et qui se déposait sur l'autel de manière toute humble, toute et nous, c'est un petit peu comme ça qu'on le vit. On descend l'Agnus aussi. Il y a toujours un caractère joyeux. Le festif et joie ne sont pas dissociés, là. Mais douceur et joie ne sont pas dissociés. Hein. Et donc, voilà. Alors, l'Agnus, l'agneau, voilà. Ça, et puis après, on descend tout doucement parce qu'on s'apprête à accueillir Jésus. Le chant de communion sera un chant d'intériorité pour nous. Pour nous, on choisit de vivre le chant de communion comme c'est un temps de rencontre, c'est un temps d'intimité avec Dieu, c'est un temps... Donc le chant de communion nous permet d'écouter Dieu qui descend, d'entendre Dieu qui se fait proche de mon cœur. Et pour être là, pourquoi on est là? Pourquoi? C'est magique. Le Seigneur nous attire comme ça. Il choisit n'importe qui
pour être là, pour chanter, pour servir. Et tout ça, ça devient un film dans ma tête. Et c'est inoubliable.